Yo les amis, j'espère que vous allez très bien. Voilà, ça fait quand même longtemps que j'ai pas fait de vidéo et j'espère que je vous ai manqué. Aujourd'hui, nouvelle vidéo France vs USA, ou plutôt USA vs France. Oui, parce que je vais commencer par USA. J'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, je vous laisse mettre un maximum de likes comme d'habitude. Si on pourra atteindre 1500 likes sur cette vidéo, ça serait tout simplement parfait. On est bientôt à 1 million d'abonnés sur ma chaîne YouTube, donc ça fait encore plus plaisir. Vous voulez vous abonner, c'est gratuit. France vs USA, c'est parti. Les pompes à essence, donc commencez pas à rigoler, hein. C'est important, faut mettre de l'essence dans la voiture. Hein. Voici les pompes à essence au USA, donc c'est plutôt pas mal, mais on dirait un peu des pompes à bonbons, hein, pas des pompes à essence. Je me vois pas remplir mon camion ici. Après nous, on a ça, total. Si j'ai une voix de canard, c'est normal, je suis malade depuis une semaine, j'en ai marre. Pompes à essence USA vs la France, je voulais vraiment montrer cette différence tout simplement parce que ça peut être utile si on va là-bas, si on pourrait être choqué des pompes à essence, on pourrait être choqué complètement. Je sais pas si on va chercher des bonbons ou chercher de l'essence. Je voulais trouver le plus grand parc attractions de France et USA pour comparer un petit peu la superficie de ce que eux ils ont et nous on a. Donc c'est Disneyland, ça on le sait. Par contre au USA c'est pas vraiment Disneyland, mais bon j'ai préféré prendre Disneyland pour les deux, comme il y a Disneyland dans chaque pays dans les deux. Le Disneyland au USA il fait tout simplement 370 000 m², donc c'est vraiment beaucoup. Mais là vous allez être choqué, c'est qu'en fait celui de France il fait 550 000 m². Disneyland Paris en France, il est presque deux fois plus grand que celui au USA. C'est quand même énorme, c'est un truc de ouf. On va parler de la plage, oui, la plage c'est la vie, hein. Donc il y a une putain de plage au USA, donc Long Beach ou je sais pas quoi. Et en France, ben, on a la mer du Nord-Pas-de-Calais. Pour atteindre l'eau, il faut marcher sur 3-4 méduses avant. C'est un truc de ouf et je mens pas. Donc voici la plage au USA tout simplement. Donc plein de palmiers, c'est vraiment magnifique. Donc il y a même une foire sur la plage. Donc c'est encore plus what the fuck, c'est un truc de ouf. Et nous en France, on a la famille Tuche. Voici la plage en France. Donc là clairement je préfère USA. Là si je peux choisir, je prends USA mais directement. Donc là la famille Tuche qui se balade sur la plage, ils sont très contents. Wesh alors. Alors la suite. Non, ça c'est une erreur. Maintenant on va comparer le plus grand centre commercial au USA et en France. Donc au USA, voici le plus grand centre commercial, il est énorme. Et donc c'est le Mall of America. Et vous allez être choqués parce que c'est un centre commercial qui a une fête foraine aussi dedans. Donc je sais pas ils ont quoi avec les manèges, hein. C'est un centre commercial de plus de 390 000 m², donc c'est un truc de ouf, pire qu'un parc en fait. Et donc tout simplement nous en France on a les 4 tentes. Franchement si je parlerais de la beauté, il est magnifique de dehors en tout cas, à l'intérieur j'ai jamais été. Il fait donc 139 000 m². Donc c'est clairement deux fois moins que celui au USA. Donc même un centre commercial, si on regarde le plus grand en France des deux, eh ben on se fait couiller, hein. Eux ils ont des manèges, nous on a des vigiles partout. Alors pour finir, voilà, vous allez me dire mais ça sert à quoi? Pourquoi tu nous parles de ça? Parce que tout simplement si vous faites arrêter, eh ben c'est mieux d'être dans une belle voiture qu'une voiture de merde. Donc voici la voiture de police au USA. Elle est magnifique, franchement c'est une putain de voiture. Ils ont même des trucs à l'avant et tout, s'ils doivent démonter une voiture, et ben ils sont équipés. Et en France, tout simplement, on a ça, une 307 si je me trompe pas. Clairement, voilà, on va pas se le cacher, en France, c'est de la merde. Que vous nous arrêtez tous les jours, mais en plus de ça, dans une voiture de merde, hein. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse mettre un maximum de likes, partager à vos amis, à vos biatchs, partout. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao.